Il y en a un qu'ils redoutent. Dans leur langue, son nom est Dovahkiin, fils de dragon. Superbe image de Nordique. Je sais pas vous, mais le gars, là, il s'est vraiment donné à fond. Là, c'est cool. Là, c'est classe. Là, c'est... Ah, là, il y a quelque chose. Ah, là, il y a respect, là. Là, il y a... Quand je vous disais que l'armure revenait quand elle voulait, hein. Donc, le cheval, avec moi. Bonjour, petit. Ah, désolé pour ton père, hein, au cas où si tu savais pas. Ne me dites pas qu'il y a un dragon. Y'a un dragon. Allons-y. Ok, il se bat contre quelque chose. Parfait. C'est un dragon de sang. C'est parti des pires. Je crois que c'est des sortes de dragons vampires en fait. Mais qu'est-ce qu'il attaque? Je crois qu'il chasse en fait. Ouais, c'est ça, il chasse des bestioles. Vous voyez pas qu'on est occupé? Dégagez! Bon, où est-il? Ah! Bonjour! Hé, hey, machin, derrière toi! Ça va pas être simple, ça. Descends! Affronte-moi! Mais tu vas descendre, oui. Ah, voilà. Là, on va discuter, mon grand. Ouais, c'est ça, essaie de me geler. Et voilà. T'es gentil, tu me respectes. Moi aussi je suis un lézard. Moi aussi je peux crier fort quand je veux. Merci pour ça d'ailleurs. Alors, hein? C'est qui le patron? Hein? C'est qui? Faudra un jour quand même qu'on finisse par faire quelque chose de toutes ces âmes de dragon, hein. Alors, impressionné? Et toi aussi, petit? Je suis l'enfant de dragon. Respectez-moi. Craignez-moi. Bon, le petit numéro est terminé. Non, pas encore. Excuse-moi, j'essaye de l'aider à partir dignement dans les eaux, puisque il tremble comme ça parce qu'en fait il essaie de se barrer. Puisqu'il y a le courant de l'eau qui l'attire un petit peu, mais comme vous voyez, il est un peu coincé avec notamment l'aile qui est coincée dans le sol là. Bon bah désolé vieux, j'ai essayé de te donner une mort décente en allant partir
tranquille sur le fleuve. Honorablement et tout, mais le jeu veut pas, donc écoute, on fera avec. T'aurais pas dû aller à la chasse, mon vieux. Bon, alors, apparemment, dans le coin, il y a quelqu'un qui a un morceau de la hache de machin truc, là. Bonjour! Bonjour! Où est l'entrée de ce truc? Bon, tout évident, c'est pas là. Il lui arrachera les dents quand on aura trouvé l'entrée. Attendant, calme-toi, Miss Sarah. Ah, je crois que j'en ai trouvé une. Parfait. Vous avez essayé de vous cacher dans un fort, hein? C'était sans compter sur moi et ma musique métal de Doom. Enfin, je crois que c'est une des musiques de Doom, parce qu'il n'y a pas que des musiques de Doom. De la licence Doom, je veux dire. Où sont-ils? Où sont les ennemis? Oh, t'es sérieux que t'es descendu? Je m'occupe pas de ceux qui sont là, hein. Je vais m'occuper d'eux. Hé, hey, toi là! Mais libère tous les chiens que tu veux! Vous ne pouvez rien contre ma puissance. Alors où sont-ils? C'est tout ce qui reste? Ça a l'air de dire que c'est le cas. Oula. Ah ouais, d'accord. Je suis mort à pas, mon dieu. Ah ouais, ils sont sortis. Hein. Il en reste plus qu'un. Allez, viens. Viens. On retourne à l'entrée. Non, pas besoin de les fouiller, ils ont juste sûrement que de l'argent et des flèches. Et pour l'instant, on a plutôt des bons stocks à ce niveau-là, donc on en a pas besoin. Vous voulez qu'on avance, non? Vous voulez qu'on ait de l'aventure? Donc allons-y. Ok. Comment ça? Non, héros, calme pas le jeu! Nous, on veut la suite! On mettait la musique, elle était bien. Et puis, il était où en fait celui qui nous manque là? Puisque. Ok, d'accord, j'ai compris. Alors, regardez-moi toutes ces pièces. Génial, la clé, j'aurais pas besoin de crocheter. Par contre, faut que je trouve un moyen d'entrer, quoi. Ce qui me gêne surtout, c'est qu'il... Ah, bah voilà! Ça devrait donc être par là. Ok, un instant. Je referme la porte. Si j'arrive à la... choper. Voilà, merci. Hop, tu t'en es occupé? Ah! C'est tout? J'espérais plus. Alors, où peut bien être l'entrée? Faut qu'on trouve un moyen de...
Oula! Là, je m'enfonce. Est-ce que c'est la bonne direction, au moins? Les bouteilles vides, ça m'intéresse pas. Bonjour. Il n'y avait aucune raison. J'imagine que le loulou est pas avec nous. Eh ouais, dommage. C'est dommage. J'aurais bien voulu le garder, mais bon. On peut pas, on peut pas. Alors. Quelque chose me dit qu'on va devoir faire le grand tour. Alors j'ai par là et uniquement par là. Bon bah allons-y. Et j'ai complètement oublié de réenlever ça. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je suis mort tout à l'heure. Il y a un frère argonien en plus, je déteste devoir tuer des collègues. Et il est passé où l'autre loup? Non, parce qu'il y avait un autre loup, on est d'accord. Alors, est-ce que c'est plus? Ouais, c'est mieux par là. Oh, du premier coup. Occupe-toi d'eux, cache pendant que moi j'ouvre les cages. C'est par là. Je suis trop loin. Parfait. Ok, donc ça c'est la première cage qu'on a ouverte, ça c'est la deuxième donc, ça c'est la troisième, la quatrième, bonjour. Tac, 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 il y a une porte là. Experte! Je disais, ça ne me fait pas peur. J'ai vaincu un coffre maître, à partir de là je peux vaincre tout. Bon par contre ça va être long. Ça va être même très long, j'ai l'impression. Donc pas par là. C'est par là, très bien, ok. J'ai au moins un indice sur là où je devrais attaquer. Ok, donc ça c'est trop loin. Donc on va plutôt viser ça. Ok, un tout petit peu plus. Non, je suis allé trop loin. D'accord, ok, c'est une vraie question. Ok. Yes! Alors, qu'est-ce qu'il gardait de si précieux? Des œufs, de la langue de dragon. C'est pas des vraies langues de dragon, c'est des fleurs. Des racines de canis. Vous êtes en train de me dire qu'ils ont fermé à clé un truc comme ça pour des fleurs et des œufs? J'imagine qu'il y a une référence quelque part. Bonjour l'ami. Oh, ils essaient d'enfermer les âmes de loup. Ah, pour éviter que ça se propage, oui. Pour éviter que les loups-garous évitent de se propager. Oui, oui, je comprends l'idée. D'accord, ça y est, j'ai compris. Tu croyais que quoi? Que je n'allais point te voir? Cache. Non, ça va, c'est pas elle qui s'est pris le piège, ce sont les trucs qui l'ont activé. Ah bah là voilà, là vous voyez, hein, là il y a une raison de fermer la porte. Ça, est-ce que je l'ai?
J'en sais rien, je vais l'emporter. Dans le doute. Oulala, ça aime la lecture par ici. J'emporte. La reine loup, évidemment. Ils ont un des livres qui parle de ça. Bonjour. Tu es libre! Pourquoi? Pourquoi? Je suis pourtant quelqu'un de sympa. Et en plus, normalement, je suis loup-garou. Il devrait me ressentir comme presque un des leurs. Oui, bonjour. J'ai entendu Scram. Ah, des combats d'arène, d'accord. Je parie 10 pièces d'or à 3 contre 1 sur le blanc. Je ne refuse jamais de l'argent. Alors, c'est parti. Oui alors, c'est pas parce que je saigne que tu m'as vaincu, hein, ma grande. Je vais pas les laisser s'entretuer comme ça. Donnons-leur une mort digne. En les affrontant nous-mêmes. Au moins, ils sont morts dans un vrai combat pour leur survie. Et pas dans un combat à mort ridicule dans une arène. Je peux rien faire de mieux pour ces pauvres loups, hein. De la poussière de vampire? Bah dites pas que chez vous, il y a des vampires. Ouais, j'en ai une éternité à récupérer toutes ces pièces. Un elfe noir, qu'est-ce qu'il avait sur lui? Ok, pas grand chose, mais ouvrons quand même sa cage. Ça fait des points de crochetage en plus. Une experte? Plus intéressant déjà. Alors, ok, c'est par là. Il faut pas que j'insiste trop. Ok, c'est trop. Ok. Ok, donc c'est vraiment quelque part par là. Non. Non plus. Ok, peut-être quand même aller un petit peu plus profondément dans le truc. Ok. Trop loin. Et voilà. On voit rien. On voit rien, on voit rien. Alors à un moment donné, moi, je suis d'accord et tout pour garder mon épée à deux mains parce que c'est ce que je préfère, mais là, voilà. Hein, parce qu'à un moment donné, c'est bien sympa d'essayer d'avoir la vision infrarouge, mais... Alors, vous voyez, là, par exemple, ça, j'aurais pu le rater. Me connaissant. Ok, ok... C'est toujours la partie un peu compliquée. Faut tester, réessayer, recommencer, jusqu'à ce qu'on trouve un élément d'indice pouvant nous dire qu'on est sur la bonne voie. Ok. Alors, heureusement que j'ai utilisé le cheat pour avoir plein de crochets, parce que sinon... là, il serait déjà tout s'y passé. Mais bon, nous, on veut savoir ce qu'il y a derrière. On va pas laisser une porte derrière nous, quand même! Mais c'était bien par là. C'était pas par là, on est d'accord. Oui, on est bien d'accord. Oulala. Oulalalalala. Voilà une serrure qui me semble bien énervante. Elle va bien nous énerver celle-là. Et en plus, les crochets, ils se cassent avant même que j'aie le temps de réagir. Eh ben enfin! Pas trop tôt. J'arrive pas à croire que sa tête soit sur toutes les pièces. Non, je veux pas la... Voilà, je veux la septime. Je veux la bourse ici, la bourse ou la vie.
cet argent ne leur servira plus à rien, autant le prendre. Par contre, moi, il me servira, donc... Mais c'est pas parce que je suis plein aux as, c'est-à-dire que je dois m'y refuser. Hein, de l'argent, ça se prend toujours. On accepte toujours l'argent, c'est acceptable, c'est... voilà, c'est... Oui, c'est... Et comme ça, j'ai rien raté du tout. Rien sur les comptoirs, à part les flèches. J'ai l'air d'avoir raté rien du tout. Ok, alors on continue. On continue. Nous, on est de par là. Donc, il faut qu'on... Alors, c'est pas par là. Et ben alors... Ah, voilà. Ok. L'ambiance change. Mais les ennemis sont les mêmes. Où sommes-nous? Et à qui avons-nous affaire? Bon, toute évidence, les loups ont une espérance de vie pas très élevée dans le coin. Est-ce qu'il y a le moindre truc caché par ici? Bon, grâce à la vision rapprochée, on peut voir plus facilement les trucs quand ils sont cachés. On peut pas avoir de torche parce qu'on on doit nager en même temps, mais tout de même. À ce point-là, quand même. Ah ouais, les mecs, quand ils aiment pas les loups, ils aiment pas les loups, hein. Bon alors, ça c'est fait. Et il n'y a donc rien ici. La vache, c'est plutôt grand pour une tour. Enfin, tu me diras, en fait, c'est sous terre. Donc, s'il faut, on va revenir... enfin, on va venir à l'endroit où on est censé aller, mais... Je leur ai fait un poireau curé. Ils me l'ont jeté la figure. Je leur ai dit que s'ils m'apportaient... du poisson ou du gibier, je les cuisinerai, mais ils ne font que dépenser leur salaire à la reine. J'ai peut-être trouvé un moyen de trouver de la viande, par contre. Me dis pas qu'il les a fait bouffer le loup. Me dis pas qu'ils étaient en train de se faire un régime spécial loup. Pas à ce point-là. Et puis, manger du loup, c'est pas une des façons de faire pour justement se transformer en loup-garou, de ce que je me souviens dans le lore de Skyrim. Qui est là ? Dans le doute. Mais ouais, c'est ça, il leur faisait bouffer. T'as ouvert la porte. Allez, tape. Ils sont où les autres? Et y'a rien. Okay. Je crois que j'avais pas calculé le fait que t'allais profiter que j'ai perdu des points de vie. Ok, donc on est dans les dortoirs. Oh, j'aime tellement quand ça fait la kill cam. Ça fait des super plans pour les miniatures. Bon, après, c'est un peu répétitif parce que c'est toujours les mêmes, mais... que voulez-vous ? Au moins, ça fera une miniature qui a de la gueule. Ils le font pas, eux. Pourquoi je le ferais ? De l'ail ? Les mecs, l'ail c'est fait pour les vampires, pas les loups-garous.
Vous n'êtes pas censé d'ailleurs être les mieux placés pour savoir ce qui est efficace contre les loups-garous ou pas. Oula. Quoi, t'avais une chèvre? Ah, à moins que tu parles des crânes. Mais c'est des crânes de quoi? Ah, il y a un crâne de... Mais les trolls, ça n'a pas de défense. Enfin, je crois. Pas dans l'univers de The Elder Scrolls. Oh, je sais plus et on s'en fiche. Ah, la petite zone qui a failli m'échapper. Mais heureusement... J'aurais dû vérifier qu'il n'y avait pas de piège. C'est moi qui, dans la précipitation... Ah. Là-dedans, j'ai emporté un truc qui sert à rien. Voilà, alors ces trucs-là, j'ai pas besoin de verre. Je bois directement à la bouteille. Ok, 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 donc y'a rien ici. Cache. Hey, watch it. Ouais, mais c'est toi qui m'empêche de passer là. Ok, faire attention, donc y'a sûrement un truc qui active ce piège. Des tas et des tas. Écoutez, on a tous nos faiblesses dans la vie. Bonjour. Il est temps de Ah, viens ici! Respectez ma puissance! Bon, par contre, c'est bien éloigné. Pourquoi il s'intéresse aux Argoniens? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Et ça y est, voilà, c'est bon, hein, ça attaque les loups-garous, ça attaque les elfes, ça attaque les Khajiits, et maintenant ça attaque les Argoniens. Voilà, le racisme dans l'univers de The Elder Scrolls, il a de beaux jours devant lui, hein. Ah, il pourrait, je sais pas moi, essayer de faire preuve de compassion envers les autres peuples, essayer de les comprendre et tout. Mais non, mieux vaut juger d'abord et après poser les questions. Ah, et c'est vrai quoi, hein. Vous n'avez rien vu sur les trucs que j'ai pris, d'accord? Vous ne me jugez pas, je vous ai dit, on a chacun nos faiblesses! D'ailleurs, il faudra qu'on reparle à Cash, hein. Oh, le con, il s'est pris lui-même son propre piège. Alors, donc, il a l'air d'avoir rien, mais ça, c'est qu'en apparence. N'oublie pas Valmar, les apparences sont parfois trompeuses. Il n'y a pas l'air d'avoir de levier. Non, non, ça a l'air de dire qu'il n'y a rien ici. Pas de cailloux qui... non. Bon bah écoutez. S'ils ont été assez stupides pour prendre leur propre piège, hein, faut pas s'étonner que les loups-garous leur échappent. Hein. Eh, mais on n'est pas revenu au début là? On dirait le début. Mais dans l'autre sens évidemment. Mais... Je prends. Ah, une forge. Ça pourrait être intéressant ça, tiens. Ah, j'ai les cheveux qui me grattent. Un peu de difficulté, s'il vous plaît. Mettez-nous que des coffres experts et maîtres. Vous voyez bien quand j'ai le niveau, hein. Et ouais, c'est ça. On est revenu au début. Ah, comme quoi. Et cette fois-ci, on monte. Ah! Attention, cache! C'était visible pour le coup, ma grande!
Même moi, j'ai réussi à l'esquiver. Quelque chose me dit qu'ils ont fait quelques trucs pas très légaux par ici. Oui, tu peux utiliser un objet de torsion pour... enfin, de torture pour ranger tes trucs, oui. Il y a une caisse sur un objet de torture, là. Hein. Ils auraient pu ranger ça ailleurs, enfin bref. Enfin, techniquement, ils ne devraient pas avoir d'objet de torture, mais bon. On peut pas non plus leur permettre d'être des gens bien, hein. Vu leur... leur vision des choses concernant les loups-garous. Ah zut. Ok, donc je suis dans la bonne direction, c'est juste que... Ok, ça devrait donc être quelque part par là. Ok, je suis trop loin. Ok, je suis plus très loin. Si je recule un tout petit peu. Ah zut! Valmar, concentre-toi. Tu peux le faire. Mais c'est difficile. Oui, mais la difficulté fait partie du jeu. Accepte-la. Ah, tu vois, t'as fini par y arriver, Valmar. Bon. Qu'est-ce qui se trouvait ici au point de fermer ça à clé en mode expert? Que dalle, que chi, que pouic, c'est juste un truc pour te dire qu'il y a une porte. Où est-ce que je suis? Il y a intérêt qu'on a fait le bon parcours, hein, parce que... Oh. Hein? Non mais t'es sérieux qu'on a fait juste tout le tour, là? On a juste fait tout le tour. Ah, et toujours pas à l'intérieur. Je veux aller à l'intérieur. Amenez-moi à l'intérieur. Niveau supplémentaire disponible. Oui, mais plus tard. D'abord, j'essaie de trouver un moyen de rentrer. Bon, réfléchissons. Alors, réfléchissons. Réfléchissons bien, Valmar. Réfléchis bien. Il y a des latences, réfléchis bien. Attends que les latences se terminent. C'est fini. Non. Ah, là, c'est fini, normalement. Si jamais il y a le moins de décalage, il va falloir que je m'embête à trouver le passage et tout. Bon, réfléchis bien, Valmar. Réfléchis. Comment tu pourrais réussir à te rendre? On aurait pu tous y croire. On aurait pu tous y croire. Alors, réfléchissons bien. Réfléchissons bien. Il y a une porte, ça c'est sûr. Donc il y a normalement un moyen d'entrer. Il y a par là, donc d'accord. Il n'y a pas l'air d'avoir de porte en contrebas, donc c'est pas par là. Par ici. Est-ce qu'il y a une porte? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Et c'est une forteresse, donc il n'y a normalement aucune porte qui est depuis l'extérieur. Donc, ça devrait donc être cette tour qui devrait nous permettre de passer. Ou alors, il y a un passage de contrefort qui peut nous permettre de passer. Regarde une dernière fois en bas qu'il n'y a pas la moindre porte. Et non, il n'y a vraiment pas de porte du tout. Il y a ça, mais ça, on l'a vu, c'est pas ce qui nous intéresse. Encore une fois, on va vérifier. Peut-être que c'est juste parce qu'il y a... Ah, peut-être qu'il y a des morceaux de ruines qui nous permettent de passer. Peut-être. Non, c'est trop haut. C'est beaucoup trop haut. Comment on fait ? Réfléchis bien, Valmar. T'as sûrement raté un truc, tu l'as vu, les Valjean l'ont vu, ils te gueulent tous. Valmar, ça part là! Et toi, tu vois rien du tout. Réfléchis bien, Valmar, réfléchis bien. Bon, déjà, on va éviter de se retaper le donjon, ça sert à rien. On avait trouvé une bonne entrée qui faisait tout le tour. Qui était donc là. Donc ça, c'est l'entrée B. De l'entrée A là-bas. On ne refuse jamais une bouteille. Voilà ma devise. Donc. Ok. Ah, voilà. Une porte que j'avais pas vue. Donc
ça devrait... Voilà, c'est ça. Donc on a fait un donjon pour rien, en fait. Bon, c'est pas grave. Toujours mieux que rien. Donc, à partir de là, je peux me rendre donc par là. Et donc aller vers la vraie suite des événements qu'on était censé faire. En attendant... Je veux que ma magie augmente. Il est temps qu'on commence à s'y attaquer à ça. Ouais, allez. Comme je lui dis, il va falloir qu'on améliore ça à un moment ou à un autre. Pour bien se faire comprendre des autres, il faut qu'on ait de quoi savoir bien parler. Alors, on continue de monter. Une pomme. Quelqu'un était en train de prendre son déjeuner, j'ai l'impression. Des vêtements communs, des cisailles pour se refaire la barbe et les cheveux. Ah, et ben on y est. Bon alors, fouillons un peu les lieux. Donc, non. Une hache d'armes de fer de glace, non merci. Oh, je veux bien. Ouh, et je veux même très bien, même vu à quel point ça a augmenté là pour le coup. Un peu de magie, ça fait jamais de mal. Le volume 2 de la Reine Blue, je crois qu'on a le volume 3 dans les mains. La légende de l'aigle rouge. Là, trouver l'épée de l'aigle rouge, ok si tu veux, mais ça on s'en occupera une autre fois s'il te plaît. Les bottes de cuir de glace. Non. Ça m'intéresse pas. Un casque d'ébonite. Ouais, ce serait trop bien si seulement c'était pas moche. Je vais vous montrer, hein. Je vais vous montrer. Attention, préparez-vous à une vision d'horreur. Et dans ce moment-là, j'ai l'impression de plus pouvoir parler, hein. Alors si ça vous dérange pas, on va enlever cette saleté. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Bon. Alors. Maintenant qu'on a fait ça, il ne reste plus qu'à rentrer à la maison. Oh, monsieur, vous avez des clairs dans les mains. Est-ce que vous vous prenez pour Palpatine? J'espère que non. Parce que ça lui a pas tellement bien aidé en fait les éclairs à Palpatine. Donc, vous pouvez la rendre légendaire, la compétence en descendra alors à 15, blablabla, ouais, mais moi je ferai pas ça. Ah voilà, une des tenues que j'ai changée, celle des 10 soldats. Alors par contre, certaines tenues, oui, j'ai oublié de vous dire ça. De l'aube est en pleine réformation. Certaines tenues... Les chasseurs. Voilà, comme ça. Certaines tenues font que les femmes, leurs pieds se retrouvent dans le sol. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des talons hauts. Et le problème, c'est que le jeu ne détecte plus très bien les talons hauts, parce que normalement, c'est grâce à un mod qu'il détecte les talons hauts. Mais ce mod, il est encore en mode bêta, on va dire. Depuis qu'il y a eu la Anniversary Edition. Donc, j'ai déjà téléchargé une fois le mode en question pour voir ce que ça donnait. Le jeu buguait de partout. Donc, pour l'instant, je peux pas le mettre à jour. Et de toute façon, comme ils ont dit, ils sont en train de travailler pour s'assurer que les bugs soient largement tous réglés. Donc, pour l'instant, vous verrez malheureusement certaines dames avoir leurs pieds un peu dans le sol. Mais bon. C'est de la fourrure qui sort de vos oreilles. Quelles oreilles? Où est-ce que j'ai des oreilles? Depuis quand les Argoniens ont des oreilles? Pourquoi avons-nous des oreilles? Bref. Tant de questions dont nous n'aurons sûrement pas la réponse, n'est-ce pas Cash, hein? Oui, nous montrerons le pouvoir de machin! Si tu veux. Bref, donc, allons-y. Salut copine, j'ai le truc. Ah attends mais... Ah, elle m'a même pas attendu. Eh copine, attends. S'il te plaît, t'insultes un peu mon travail là en te tirant de la sorte. Où est-elle passée? Elle est là. Continuez-vous de lutter contre la main d'argent? J'aimerais pouvoir vous accompagner.
Bientôt, je l'espère. J'ai le fragment. Un autre morceau de gloire. Excellent travail. Quelle est la cible suivante? Des rumeurs me sont parvenues au sujet de la main d'argent. Certains d'entre eux se terrent dans le clos. Faites vite. Ok, très bien. Par contre, oui, alors attendez. Quelle est ma compétence que je pourrais le mieux évoluer par ici? Parce que avec un des deux frères, je peux améliorer mon armure. Avec l'autre, je peux améliorer mon truc à deux mains. Et avec elle, je peux améliorer mon archerie. Alors, réfléchissons bien. Alors, l'archerie, c'est à 38. Deux mains, c'est à 50. 37. J'ai pas un point à distribuer, d'ailleurs. C'est vrai qu'il faut que j'améliore ça quand même à un moment donné ou un autre. Qu'est-ce que j'améliore? L'archerie, ça a quand même son importance dans ce jeu, donc... On raconte que vous êtes plus coriace. Je vais vous apprendre ce que je sais. Merci. Donc voilà. Voilà. Dommage. Pas augmenté plus que ça, mais bon. C'est pas grave. On fera avec. Donc... Tu es le leader des... ok. Leader. Donc il faut que je retrouve en fait toute la... Ouais. Faut que je... Ok, bah allons retrouver donc tous les éléments de la hache de machin là. Il nous reste encore combien de morceaux? Comptons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, il nous reste donc 8 éléments à trouver. Et ben allons-y. Allons-y. Il est quelle heure? Ouais, je peux encore faire une heure. Allez, on fait encore une heure et après je m'arrête. Je pense que ça vous fera assez d'épisodes. Oh! Je vais peut-être faire un tour à l'hydromellerie tout à l'heure pour voir ce qu'ils concoctent. On sent l'odeur du miel dans l'air. Tu sais que t'as une, que la tenue maintenant, elle te paraît beaucoup plus classe comme ça. Non, sérieux, un pantalon, ça change tout, tu sais, hein? Quel genre? J'ai entendu qu'il y avait du bon stuff dans les catacombes. C'est pas tellement que j'aime ça, c'est qu'on m'envoie d'habitude dans des lieux comme ça. Excuse-moi, je peux pas tellement décider pour... Ah ouais! C'est pas à côté. Bon...